Bonjour à VOD, live de la maladie. Sur du Red Dead, il y a une soirée déguisée, on est en retard, mais on va essayer d'aller trouver un petit déguisement et d'y aller. Mais voilà, je sais pas combien de temps je vais tenir parce que c'est pas la giga forme et faire la voix de Denis, ça va pas être facile, mais je vais essayer. Est-ce que ça va comme ça? Ouais, ça va aller. C'est le max que je puisse faire. Hein. Je vais rester comme ça et puis on va aller tout de suite. Bonsoir messieurs. Ah, buonasera. Ah, c'est italien. Je suis en train de perdre tout leur fric au blackjack. Ouais, ça va aller, hein, écoute. Alors que je mange un truc. Alors, on va aller se changer, c'est là-bas. On va aller se dépêcher. Je vais manger un petit truc en même temps. J'ai du riz. Allez, un petit peu de riz. Je vois plus ma... D'accord, ma bouffe. C'est chiant. Bon, c'est pas grave. Donc, Strawberry, on n'est pas loin du tout, hein. On va y aller. Ça va nous sortir un petit peu. À défaut de faire ma vraie soirée déguisée lundi, que je devais faire. Putain, je vois plus du tout ma bouffe et ma soif. Très chiant. Ça va être chiant. Alors, c'est ici? Non, c'est à côté. Du coup, on va se trouver un petit déguisement de sorcière, on va pas se prendre la tête, c'est pas là. Pas très original, mais en vrai, Denise, hein, qu'est-ce qu'elle peut faire de plus de voir quelqu'un? Non, c'est bon, personne. Je préfère sinon on voit mal. Puis c'est un peu gênant de se changer devant quelqu'un. Alors, tenue de sorcière. Voilà, déjà on enlève le manteau. Et du coup, dans les... Il faut trouver une robe. Il y a des chapeaux de sorcière, ça je m'en rappelle. On a... Après, il y a d'autres tenues, hein, mais bon. Ça me pense à un truc. Voilà, on se déguise en Red Duke. Avec un béret noir et tout. Oh putain. Ce serait pas trop drôle. Oh punaise. Je vais faire ça plutôt. Faut trouver un béret noir. Ah, ce serait marrant, non? Tout le monde le connaissait, Red Duke. Je sais pas. Est-ce que c'est... Qu'est-ce que t'en penses? Hein, qu'est-ce que t'en penses, Grision? Est-ce que c'est une bonne idée ou c'est trop basique? Enfin, c'est trop... ça va pas parler un peu. On va voir si on y arrive. Faut que je trouve un béret noir. On croira un fantôme, mais il est pas mort. Il est pas du tout mort, il est parti. Alors... Un pantalon d'équitation peut-être. Il avait un pantalon d'équitation, je crois. Bon, les pantalons ils sont où? C'est pas rangé par ordre alphabétique, ça m'énerve. Team Glowing Dark. Oui, autant pour moi. Non, il est pas mort du tout, il est parti pour essayer de soigner sa fille. Capo est mort. Pas Red Duke. Et pas sa fille normalement. Ils ont tous reroll.
Enfin, Capot, j'en sais rien. Il a un petit peu arrêté. Alors. Faut que je trouve faut que je trouve une rediffusion de Guy là. Ou une image ou je ne sais quoi. Il est en live, attendez. Je vais voir. Ouais, mais ça fait trop longtemps non qu'il a arrêté. Ah non, peut-être pas. Arrêt Duke, voilà. Alors, il a un béret noir. Il a un pantalon un peu collant noir. Une chemise noire et un gilet en cuir. Ok. Plus noir intense, mais ouais, on est sur le bon truc. J'aurais regardé déjà des chemises unies. Ouais, non. Ouais, si, c'est ça, mais on montrait les manches. Ah, non, c'est pas ça. Parfait, ok. Un pantalon collant noir. Je suis sûr que déjà des gens ont trouvé l'idée. Ok. Un gilet en cuir. Excusez-moi. Ça va un peu mieux, ça va un petit peu mieux, ouais. Par contre, le gilet sera pas le même du tout, quoi. Un gilet en cuir de baroudeur, un peu. Peut-être un truc un peu comme ça. Attendez, je regarde. Hein. Je regarde sur les rediffusions de son live. Il a full accessoire un peu de... Ouais. Ah, il a des gants en cuir aussi. Alors, gants. Moi, je trouve pas les gants. Oh putain. Alors, Antoine Gantelet. Gantelet, du coup, c'est pas ça. Alors, il avait pas des gants entiers, il avait des mitaines, quoi. Non, c'était plus court ce qu'il avait. J'ai plus de main. C'est pas mal ça. Mais en noir. Voilà. Est-ce qu'il y avait un foulard, j'ai pas l'impression. Non. Il a des accessoires, genre holster et tout ça. Alors. Faut que je vois de face. Au moment où il se connecte. Ça coche, c'est quoi ça coche?
What the fuck? Trop stylé. Voilà, il avait un holster, ça c'est sûr. Bon, j'en ai pas, alors bon. Je pense pas qu'il avait un truc avec des crânes. Ah, et des grosses bottes aussi. Voilà. Et des bottes. Bon, les bottes ça va pas du tout. Faut qu'on se trouve des bottes. Des bottes bas noires. Hein. Tout simplement, et puis ça sera pas trop mal. Des bottes comme ça, ça pourrait le faire. Je regarde vite fait sur son live. Ouais, ça a pas l'air trop mal. Attendez, je vais remonter, je sais plus comment on fait. Et du coup, accessoires, il y a sûrement des trucs que je pourrais avoir, mais... Ouais, des trucs qui pendouillent un peu partout. Il avait des trucs comme ça. Des trucs comme ça. Bon, je sais pas s'il avait trop ça. Putain, quand il fait nuit dans Red Dead, du coup, on voit R. Ah, une ceinture. C'est plutôt ça qu'il avait, ça non, mais ceinture oui. Alors je vais mettre une ceinture. Et de faire le costume de Red Duke. Comme ça je crois il avait. Ça ressemble bien à ce qu'il avait ça. Ouais ça ressemble de ouf à ce qu'il avait. Ok. Pas mal ça non? Let's go hein. Bon je vois plus le chat, désolé. J'ai bras transparent. Ouais. Alors. Costume. Duke. Let's go. J'ai perdu les touches. Tac. Vêtements et juste. Voilà. Ça c'est important. Bonsoir. Allez, c'est parti, on va à Strawberry. T'as même pas vu mon jeu de mots. Bras transparent. J'ai dit que tu étais un fantôme. D'accord. Voilà, je l'ai vu. Ça le fait, non? Zébardi. Réduction. Réduction de ton costume. Oui.
Alors ce serait mieux placé si tu avais dit passer ce costume, tu auras droit à une réduction. Parce que c'est vrai, normalement on a droit à une réduction quand on est costumé. Hop là. Oh, flemme. Mais oui, c'est un très beau jeu de mots. Let's go. Bon, je connais le chemin, mais quand même dans le boot. Let's verdi, Jordar. Je vais n'importe où. Parce que je me disais. Surtout moi que ça fait rire là. J'arrive encore d'écouter des sons de R. Kelly. Ça m'est jamais arrivé. Donc voilà. Ouh. C'est parti pour la petite soirée de costumé. Non, c'est pas chéri. Bonsoir. Bonsoir. Allez, c'est parti, soirée costumée en Reduc. Beau. Attends, je dois passer par où? Par là et après. Ah oui, d'accord. Après, je vote là. Et après, je fais un. Ah, mais c'est bizarre. Je me sens gênée là. Bonjour. Bon, j'espère que j'aurai le temps d'arriver à temps, mais je ne sais pas. Peut-être que ça durait qu'une demi-heure. Peut-être que c'est dans village. Ouais, franchement, peut-être. Trop de trucs à faire. Trop de jeux auxquels j'ai envie de jouer. J'aime bien finir Elden Ring. Mais c'est vrai que je... En fait, le DLC, moi, j'étais au courant que là, cette semaine. Pardon. Il y en avait un. Et du coup j'ai même pas checké à quoi ressemblait et tout. Donc je vais peut-être juste checker un petit peu à quoi ça ressemble. Et ouais, pourquoi pas. Dodo bijou. Faudrait que j'ai sa démarche aussi. Voilà. Oula, je vais pas du tout courir autant, je vais juste... C'est à peu près ça la démarche, non? Ça me fume à chaque fois. Ouais, ça doit être ça, c'est juste que moi je marche plus vite. J'ai vu un jeu vidéo Mario sur Steam et Mario il était en forme de papier. Je sais pas si vous voyez lequel je parle. Paper Mario. Mais ça m'étonnerait que ce soit sur Steam. Ça m'étonnerait beaucoup. Ça m'étonnerait beaucoup en fait.
Je sens... J'ai du mal à respirer un peu là. Donc là c'est un peu déroutant. J'aime pas les Paper Mario. J'en ai essayé un. Oh pardon mon stream, excuse-moi. Mon stream, mais oui, excuse-moi. Bonsoir. Et bonsoir. C'est ici la soirée, j'arrive un petit peu tard. Là pour l'instant la soirée ça se passe à côté de l'écurie, il y a le théâtre qui se représente. Oh très bien, et eh ben je vais aller voir ça, merci beaucoup. De rien. Bonsoir. Bonjour. Bonjour plutôt. Mais Paper Mario, ouais, j'aime pas, parce que, en fait, je sais pas, je vraiment essayer de m'y intéresser. Essayer de... Pardon. J'ai essayé un petit peu de m'y intéresser tout ça, mais le gameplay, moi, ça passe pas. Celle-là, ça démarre, je pense pas, parce qu'il a pas une patte folle. Reduke. Oh pardon. Non mais ça doit être celle-là alors. Allez on se dépêche un petit peu. Pas des écureuils. On va voir ça. Bon bah ça se termine peut-être. Je... Ah c'est là-bas. Tout plein de monde là-bas. Ah, ça vient de terminer, je pense. Oui. Oh, d'accord. Peut-être. I sit by the harbor. Oh, cool. The sea calls to me. I heard in the water when I need to breathe. À côté de nous, je crois qu'on a les Clark, les Clark. Crashing at the bow, I am a galling slave alone. If only I could. Ils sont tous déguisés. Trop cool. To sail you. Maybe I just don't win. I've been run aground. So sad for a sailor. I feel safe inside. But I need ain't a danger. You are an ocean wave, my love, crashing at the bow.
Que les tomates, quel monstre es-tu? If only I could find a way to say you. Maybe I just don't wait. Trop cool. Et voilà. Oh, c'était bravo. 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 Incroyable. Une mélodie diaboliquement envoûtante. Merci beaucoup. J'ai fait ce que j'ai pu. J'en ai une deuxième si vous voulez. Oui. 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 Encore. Oh, celle-là aussi, elle parle de quelqu'un qui est mort, mais c'est pas triste. Peut-être que certains la connaissent. On peut pas applaudir Hémoglobine Dark dans le jeu. Il y a pas les mots. Ou alors elle est chiante à faire, mais moi j'ai jamais trouvé. J'ai cherché, j'ai jamais trouvé. Prends ton temps. Échauffe-toi avec les flammes de l'enfer. Oh oui, les flammes de l'enfer de l'épouvantail. Now she's walking through the crowd with a second smile that's run away. Butterflies and zebras, whoopies and fairy tale. How she and thinks about is riding with the wind. When I'm sad, she comes to me with a thousand smiles. She kisses me free. It's alright, it's alright, she says. Take anything you want from me. Anything. Fly, little wing. I want to fly. Voilà. Bravo, bravo. J'espère que je vous ai pas trop cassé les oreilles. C'était très beau. Pas bien. C'est magnifique. Bravo. Merci beaucoup. Je laisse la place au monsieur derrière moi. Fly, fly, comme un ange déchu. Oui. Oh, merci. Je comprends le diable, un contrat, c'est un contrat. Bonsoir. Ce soir, je vais vous faire des morceaux de gens qui parlent de Strawberry parce que bah c'est la ville que j'aime. Il y a des morceaux que beaucoup de gens connaissent. Et il y a un nouveau morceau. Parce que bah, je voulais montrer aux gens ici que je les aime beaucoup. On t'aime aussi. Vas-y, Tim. Oui. On t'aime, Tim. Partage-nous ton péché de la luxure. Aime-nous. Vas-y. Moi, c'est un peu de traviol, mais c'est pas grave. J'ai commencé par une chanson que j'ai écrite pour des fermiers qui habitent à côté et qu'on aime beaucoup. C'est normal si on entend deux guitares. Parce qu'on entend la guitare in-game. Parce qu'il fait les maths guitare et on entend aussi la sienne au joueur. Joseph Nanard ou bien Abby ne
à danser, plus beaux habits. Il suffisait de demander pour commander. Oh, chante Billy. Oh, chant des Billy. La Valentine, aux strawberries, entre la route et la prairie, tous les légumes sont bien jolis. Au chant des Billy, donnez-moi rendez-vous pour vos cultures, je deviens fou. Les carottes cueillies à la main du soir au matin, avec l'étale à Fort Wallace, pour les légumes, ce sont des as. Ils vont vraiment époustouter vos patates nifflées. Oh, chant des Billy. Oh, chant du Billy. Valentine, aux strawberries, entre la route et la prairie, tous les légumes sont bien jolis. Au chant des Billy. Non, c'est pas au chant des Billy, c'est des Billy, je pense. À strawberries, on va écouter. Toujours un plaisir de les voir, le matin, le soir. Une famille, des amis, on vous oubliera, pas promis. Cette chanson vous montre à quel point au Billy on tient. Oh, chant du Billy, ta la ta la ta. Oh, chant du Billy. De... Ouais, si, je sais pas. À Valentine, aux strawberries, entre la route et la prairie, tous les légumes sont bien jolis. Au chant des Billy. Des Billy, je pense. Bravo, Billy. Je pense, oui, je pense. Bravo, bravo, bravo. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Au septième sous-sol des enfers. La 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 la. Ça marche aussi. Et pour la deuxième chanson, celle-ci aussi, vous la connaissez un petit peu. C'est sur Maman Tutrice que j'aime beaucoup, mais qui est pas là ce soir parce qu'on voit son frère, Annie. Et puis quand elle s'est mariée avec Monsieur Box. Chasseur de monstres en tout genre comme le croque-mitaine. C'est l'homme qu'il lui faut, elle en est certaine. Elle donne tout l'argent de son compte à son tailleur. Annie Beauty est là pour votre bonheur. Rivière Plume, Ouragan et bien d'autres encore. En nombre de chevaux, elle bat tous les records. Réjouissez-vous, on vous y convie. Ils sont maintenant liés pour la vie. Il ne boit jamais d'eau car ça fait rouiller. Enchaînant les bières sans être barbouillé. Aussi bon alcoolique que futur conjoint. La seule fontaine où il a point, c'est le maire adjoint. Elle dit qu'elle ne sait pas faire avec les enfants. Et si j'ai un souci, je sais qu'elle me défend. Il n'y a personne que j'aime plus qu'elle. Mais chaque câlin qu'elle me fait me laisse des séquelles. Annie et Bugs. Ah oui, femme. Annie et Bugs. Réjouissez-vous, on vous y convie. Ils sont maintenant liés pour la vie. Ils sont maintenant liés pour la vie. Ils sont maintenant liés pour la vie. Oui. Ah, bravo, bravo. J'ai kiffé. Bravo. Merci beaucoup. Et quel meilleur film. Et pour la dernière chanson, il y a Meredith qui m'a demandé de faire un morceau sur Strawberry. Et je me suis dit, bah Strawberry, bah c'est une ville qui est très jolie, mais c'est surtout des gens très gentils. Et du coup, j'ai écrit cette chanson sur trois personnes de Strawberry qui se faisaient appeler les trois drôles de dames. Et je vais avoir besoin de vous pour le couplet. Alors, je vais vous montrer le refrain. Pour le refrain, pardon. Le refrain, je vais dire à Strawberry et il faudra dire où ça, où ça. Je vais vous montrer ça. Ça, ça, ça. À Strawberry, où ça, où ça. À Strawberry, où ça, où ça, où ça. Voilà. Ok.
c'est parce que c'est Monsieur Alec qui arrêtait pas de dire ça avec Monsieur Maverick. Et vous voulez lui reprendre la danse, Monsieur Maverick? Ah bah je pourrais, effectivement. Ah bah allez-y. Ah bah tu la connais, Phil? Non. Le Oussa, tu connais pas? Non. Si, tu connais, hein? Dame, sois bien. Allez. Viens avec moi, Phil. Non. Pardon. Pelton. J'emmerde. Ah, j'ai obligé d'y aller. Ne te fais pas désirer, le diable te regarde. Bah le diable, j'emmerde aussi. Allez. Il a pas peur. Tu n'as pas écouté les histoires. J'arrête de compter, j'ai peur de rien. Si, t'es chéri de côté, t'as peur de rien, bah viens. Je te regarde. Viens avec moi. Regarde, allez. Tout le monde te demande, Phil. Allez, vas-y, donc. Et montrez-le, monsieur Maverick. Étant donné qu'on a un shérif de côté qui a peur de s'humilier en public et qui a un trop gros ego. Exactement. Merde, ça va. Quel point que j'ai un sosie, regarde. Derrière Tim, s'il vous plaît. Avec ton gros corps là. Vous le couvrez en fait là. Voilà. Non mais j'allais juste remonter. Je vais pas rester là. Ah si. Ah si. Je vais laisser Louis à tous les deux. Comme ça on a un danseur. Malin. Désolé. Je te laisse recommencer. Oh merde. Tu vas réduire. Je laisserai Louis ça ou ça derrière un atelier. D'accord. Et c'est parti. De ces trois dames, je vais vous la compter sans état d'âme. Pas si fragile d'un regard, elle vous désarme. Comme leur ville, elles sont toutes pleines de charme. Si vous voulez connaître leur ville de cœur, tu peux la casser cette danse là. Patronne de saloon, fermière et docteur, elles sont passées à Strawberry. Où ça? À Strawberry. Où ça? À Strawberry. J'ai oublié. La première voyage partie en bateau. C'est quoi ma carte? En laissant derrière un triste cuistot. Mon plus grand rêve à moi, c'est qu'elle revienne. Pas besoin de photos pour que je m'en souvienne. Elle a perdu une dent, mais pas d'amis. Abby sera dans notre cœur à vie. Elle est venue à Strawberry. Où ça? Strawberry, où ça? À Strawberry. La deuxième est d'une super nana. Maïs, carotte, artichaut, ananas. Tous ces légumes ont autant de goût qu'elle. Des habits jolis et professionnels. Ça ne l'empêche pas d'être toujours là pour rire. Même quand ses quintes de tout la font s'ouvrir. Il y aura moins ça. Elle vient tout le temps à Strawberry. Où ça? À Strawberry. Où ça? À Strawberry. La troisième est la meilleure des docteurs. C'est moi. C'est fou. Et qu'elle n'est que ça serait réducteur. Personne qu'elle ne tient aussi bien l'alcool. Ça, c'est vrai. Et lui demandez pas de tenir une casserole. J'en dis que c'est une femme en or. Pour elle, je ferai n'importe quel effort. Elle vit encore
Astroberry. Oussa, oussa. 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 Astroberry. Bravo. Bravo, Sim. Bravo, Sim. Bravo, Tim! Bravo, Tim! Bravo! Bravo, le meilleur! C'est beaucoup! Ça, t'es trop bien! C'était trop bien! C'est vrai que c'était une classe! Astroberry! Moi, je vais retourner sur Saint-Denis. Où ça? Ah, bah ok. Ça te plaît pas? Si, si, si. Mais je dois faire des choses là-bas. D'accord. Bon, bah, écoute, ok, très bien. Il n'y a plus rien, c'est fini. Bonne soirée alors. Ouais, bonne soirée. Tu veux voir s'il y a des gens que je connais, mais avec les déguisements, c'est impossible de reconnaître. Et j'essaie de tendre l'oreille si j'entends des voix, mais. Bah, les voix que j'entends pour le moment, mais je connais. Bravo. Bravo. Y'a Kiran. Kiran. Excusez-moi, monsieur. Il vient de se passer quoi? Parce que je crois que j'ai de la poutre. Dans les yeux. Oh non, c'est qui a parlé? C'est Kiran. Ah, oh, je le vois pas, putain. Connor. Oui. Oui. Ah, c'est Jade. Comment ça va? Pas un peu fort. Non, je vois pas. Ah oui. Oui, oui. Lapsus révélateur. Bravo à tous, merci beaucoup. Bonne soirée. Bravo, bravo, bravo. Bravo, 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 merci. Bravo. Il apprend pour quelques jours. Attendez, bougez pas. C'est incroyable. Je viens, mais il est où là? Bah, Kiran, mais... bah, lui dis rien. Lui. Je sais pas si je connais des gens. Oh, faut que j'aille. Je vais demander au télégramme. Les gens, ils partent pas? Je connais, je sais pas si je connais les gens, ça me saoule. Cette odeur de l'errance. C'est toi, tonton? Ouais, trop bizarre. Je vais aller au télégramme de Strawberry, je vais voir si les parcs ils sont là. Je sais qu'il est pas là, Prosper. Je sais aussi que Pearl elle est pas dans le coin. Il y a la petite... j'ai oublié son nom. Anciennement Lilia qui tient le... Qui tient le pub là. Le resto. Le saloon. Mais je vais voir si... Oh. Excusez-moi. Il y a un cheval invisible. Je vais voir si... des gens que je connais. Mais bon, je suis partie tellement vite, j'ai pas envoyé de télégramme. Oh, pis. Ouais, désolé, je j'ai prévenu personne, ça fait quasiment une semaine que j'ai pas joué, du coup je suis larguée. Non, ça fait moins. En vrai, ça fait moins. Voilà. Mais bon, les personnes que je fréquente sont du genre à se connecter assez tard, donc...
Strawberry, le fantôme de Rayouk. Bon, par contre, elle marche un peu vers l'avant. Hein. Il marchait plus droit, Rayouk. Hein. Bonsoir. Oh, Crash, il y en a plein en ce moment. Il y en a tout plein. Je sais pas si je suis la seule, après c'est très possible. Alors, on va voir ça. Tac, je vous mets petit écran de pause. Je tente de relancer. Astroberry, Il n'y a que moi. Tant mieux. Oh là là, c'est un peu dur. Même faire une soirée en RP, ça me fatigue en étant malade. J'ai plein de messages. Hop là, je sais pas quand c'était. Le 23. On est le 28, un peu tard. Des choses. Je vous informe que le groupe pour la culture a été envoyé cette nuit au gouvernement. Trop bien! Prosper. Je crois que c'est à force de le... je devrais le connaître. Neuf, neuf, huit.
Alors, monsieur Pennyworth. Mince. 180, je l'ai, monsieur Pennyworth. Mince. Ah, ça me saoule. Ouais, je l'avais pas écrit, monsieur Pennyworth, encore si. Eh oui. Eh ben, bonsoir. Mince, je me suis mal mise. Hop là, et du coup là c'est NL 680. Nous voulons avoir des projets d'événements. Projet d'événements. Événements parfaitement. Avant de le reprendre, vous aurez sûrement de nouvelles. Je suis quelque peu souffrante pour le moment. J'attends d'aller mieux pour m'y consacrer. Sollicitude, c'est comme ça? Non, pas de zèle. Attendez, je vais vérifier puisque ça, c'est un terme que tu écris avec une faute, t'as l'air d'un con. Eh bah, si, de zèle. Réalisable et originaux. Quelques soucis techniques compliquent un peu les choses. Des solutions.
viennent compliquer. Vicente? Si? Suis-moi, urgence. Et ben... Saint-Denis, y a plein d'amis. La vieille qui chante toute seule, j'aime bien. Alors. Oh, c'est bien. Oh, ça, ça. La paille, ça se fume, remarque. Oh non, chut, lui dis pas. Fait trop mal. Bah... Bon, ah, ouais. Je suis habitué maintenant. Oh non. Je me permets, messieurs dames, si quelqu'un n'a pas eu le menu d'Halloween, vous pouvez vous diriger soit vers moi-même, soit vers mon frère. Bonne soirée, bon appétit à tous. C'est parce que bon appétit. Bon appétit. Bien effet, je n'ai pas eu mon menu. Mais ouais, je n'ai pas pu reconnaître qui a parlé. Bien, eh ben c'est moi. Oh. Je dors, vous. Madame Jade. Bonjour Jade, on s'est vu une seule fois. Denise Duval, ça va et vous? Plutôt bien. Puis-je vous couper? Je vais vous en servir un menu alors. Oh bah merci beaucoup, ouais, je vais se passer. Ses cheveux, j'y ai fait rapide l'opium. mais ça c'est une perruque. Excuse-moi, c'est qui que je l'ai fait avec de la... Je l'ai fait avec de la paille. Non, il faut la mauvaise qualité. Oh ouais, je voulais faire l'épouvantail, il me fallait de la paille. Là, voilà, non, oui. L'épouvantail ? Voilà. L'épouvantail, oui. Bah, c'est vrai que un épouvantail avec un brushing, ça se fait pas souvent. Ouais, mais... Oh non, mais là, c'est un peu particulier comme brushing. Voilà, un épouvantail, moi je me taille, hein, c'est bon. Là, Moi j'aime beaucoup, vous êtes très bien, vous avez très bien réalisé. Oh, merci beaucoup. Vous êtes bien déguisé. Oh, rien du tout, moi-même. Oui. Il y a monsieur Merci. Au final, manger, je crois. Ça fait fuir le diable. Merci. Oh, oui, le diable. L'épouvantail fait fuir le diable. Combien je vous dois? Un dollar. Je suis sûr que si tu lui cours après en disant je suis un épouvantail, si vous aimez les jeux à gratter, il y en a dans peut-être le comptoir. Je devrais essayer. Essaye. Il est à bon fond. Voilà. Merci beaucoup, madame. Vous en prie. Monsieur. Ah oui, il y en a plusieurs. J'ai mis deux, j'avais la flemme. Surtout sans s'enclenter ce soir. Ah, mais il a un masque. Il me faudrait deux, le masque, s'il vous plaît. Il y a un des tickets à gratter. Très bien. Oui, bah oui. Je vais m'éloigner un petit peu. Oh, oh, j'ai peur. Oh, je fais peur. Non, vous faites peur aussi. Non, oh, je fais peur. Oh, oh, j'ai un épouvantail. Oh. Pardon. Excusez-moi. Fais Marielle. Moi, je me cache sous votre escalier. Je suis l'épouvantail. Droit de serpent et cheveux d'araignée. Non, je fais peur aux épouvantails. C'est la première fois qu'on me tire dessus. Non. Ne t'approche pas trop, tu risques de menacer. Voilà. Non. Non. Et surtout qu'il n'y a pas eu. Ça marche pas. Aucun avertissement, rien du tout. Ça marche pas. Et marche pas. Oh non, il fuit pas. Il veut manger. Bah. Ah, ça devient un peu de boisson. C'est logique. C'est vu un peu plus. Enfin, moi j'étais à cheval, je suis derrière. Oula! Oula la source! Que je peux mettre là? Non, j'aurais bien aimé mettre là. Oh, je connais personne, c'est trop triste, je me sens trop nul. Ça me rappelle des terribles moments. Oh putain, le changement. Si je vomis, ça fait. Vous, je crois qu'il n'y a pas qu'à Louis que vous êtes fou. Hein. Ah non, ça doit. J'ai suffisamment bien. Et un des prochains, c'est. Ah, mais c'est des trucs. C'est des petits nains. C'est. Oui, c'est des personnages fantastiques irlandaises. T'as plein de cris. Ouais, t'as raison. C'est un truc irlandais. Ah, bien, bien. C'est quoi votre nom? O'Connell. Oh là là, oh, vous ah, O'Connell. D'accord. Bon, bah, moi, je suis irlandais aussi. Vous allez. Vous êtes défrayant. Ce que vous allez entendre. Bah, allez, vous êtes vraiment prêts. Vous êtes accrochés. Attends qu'on parle pas d'anglais, moi, ça me va. Oh putain, je suis à moitié irlandais, à moitié anglais. Ah oui, moi, je connais un ami qui était aussi ça. Sa mère s'est fait violer par un mec de l'armée anglaise, donc. Ah, c'est littéralement une histoire d'horreur, effectivement. Ah ouais. Ah bah le pauvre, oui.
Son but dans la vie, c'était d'aller tuer son père. Sauf que je crois que son père est mort à la guerre. Bonjour. La vie s'en est chargée à sa place, hein, c'est pas plus mal. Ah oui, c'est sûr. Je vais dégager le coup. Oula, vous voulez passer le coup. Vous en sortez? Ah non. L'année prochaine, ça part de bonheur. Je vous écoute. Mais bon, je me voyais mal dévisser ma tête de mon tronc pour pouvoir faire de la... C'est un peu plus compliqué. Fallait vous déguiser en anglais? Non. Jamais de la vie, je ne me déguise pas en anglais. Il y a des bons côtés, hein, quand même. T'as dû faire immédiat un truc, mais je peux se dire. Faut pas croire. Non. Ce costume me fait horreur. La seule chose que j'ai envie de faire, c'est cracher dessus ou le brûler. Donc j'ai évité de me cramer tout seul. Vous cracherez sur un anglais si vous en voyez un? Non, sur le costume anglais, oui, mais pas sur les anglais. Les anglais, je sais très bien qu'il y en a qui n'ont rien demandé. Mais... ils sont des costards. Bah ouais, c'est ça, ils y peuvent rien. Ils n'ont pas fait le choix de naître comme ça. Et vous, madame, à droite, vous êtes déguisée en quoi? Merci. À droite de qui? Parce que ça veut dire grand chose pour moi. Pour moi, je suis au milieu. Ma gauche, plutôt. On a un ami, Ray Duke. Il est malheureusement parti. Un ami, Ray Duke, qui s'appelait. Il est plus là depuis quelques temps. C'était dur, mais c'était sympa. C'est une promotion, lui. Ray Duke. Oui. Je vais essayer de m'améliorer. Ouais, c'est les blagues à Kira, c'est pas moi. Je suis un peu fatigué, sinon j'aurais rigolé. C'est le monsieur avec la grosse voix. Oui, tout à fait. Je trouve qu'il avait une voix très effrayante. Je me suis dit que ça irait bien. Alors, je sais pas la faire. Je veux parler comme ça, mais c'est le maximum. Ouais, ça va, c'est pas mal. Bonsoir. Vas-y. En sorcière. Quand la musique est bonne. Je vous prie de m'écouter quelques instants, s'il vous plaît. En même temps que la dégustation de ces fabuleux menus pour bah oui, j'ai vu. Monsieur Johnson qui va mettre un petit peu d'ambiance et qui va chanter quelques chansons pour ce soir. Ah oui. Pour le bien-être de vos oreilles. Bon appétit et bonne soirée à tous. C'est nous qui allons jouer, ça va. En effet. Sa voix est particulière et je comprends qu'elle vous ait ensorcelé. Ça c'est parfait dans le costume, ils ont pensé à mettre un trou pour mettre la bouteille. Merci, beaucoup à votre aussi. Moi aussi, un petit bec, un petit trou. Laissons l'homme jouer de mélodie de la sorte. Putain toi c'est en plus, c'est la bouteille rentre parfaitement dans le bec. La bouteille rentre dans le mec. Moi, je crois que c'était pas ça. Le mec. C'est entendu c'est derrière. Non. J'ai entendu pareil. Quand on a juste le bout de phrase, c'est compliqué. Attendez. Et électrique. Ah, ils sont pas venus les Clarks. La musique est très cool, t'as juste envie de chill, de fermer les yeux devant des beaux... De regarder des beaux paysages en fermant les yeux et en entendant cette musique. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, ça ne l'est pas.
s'endort sur la manette encore. Ah là, et franchement, avec une petite... Enfin, voilà, ça berce un petit peu vu que je suis complètement claquée, mais c'est normal, j'ai pris mon traitement pendant que j'ai mangé, il commence à agir. Et elle m'avait prévenu que ça allait, ça risquait de me casser un peu. Bah ben, voilà. Pas que je m'endors, mais c'est vrai que j'ai envie de buller, quoi, comme on dit. Tellement agréable. C'était vraiment très beau. Ah, merci, bon, monsieur dame. Alors, loin de moi l'envie de, d'empêcher les gens de pouvoir discuter entre eux. Alors, surtout, n'hésitez pas, si, si j'empêche les conversations, vous, vous gueulez un grand coup paprika et je baisse le volume. Hein. Ne vous inquiétez pas. Attendez. Paprika. Oui. Ah, d'accord. Non, non, mais c'était une question, excusez-moi. Je t'ai dit, et pourquoi pas. Mais non, non, c'est très bien. C'est un mot de sécurité, madame. La dernière fois, ce que j'ai entendu, c'est rentre dans, ça rentre dans le mec, alors bon, pas si j'ai envie de continuer la conversation, moi. Non. Très bien. Voilà. Allez, assieds-toi là. Je m'assois. Vous savez, le diable. Le prochain morceau, enfin, je vais chanter et pousser un petit peu la chansonnette. Si, messieurs, dames, je ne vous dérange pas, sachez que si je vous dérange, je m'excuse. Mais voilà, j'espère que ce morceau va vous plaire. Entre fur ou trahir, ça me fait mal à la gorge pour lui. Quelle énergie! Bravo! Bravo! Excusez-moi! Vous savez. Le prochain morceau, messieurs, dames, a été inspiré d'une dame que j'ai rencontrée à Saint-Denis du nom de Weshden. Je crois qu'elle était hollandaise ou un truc comme ça, je suis pas sûre. Non. Elle m'a dit que son mari l'avait trompé avec une certaine Miss Anissa. Alors du coup, bah, j'en ai fait une petite chanson. J'espère qu'elle va vous plaire.
Je doute. Je connais même pas la chanson, la vraie musique. Télégramme. Yep. Désolé, ça nique un peu, mais... On va entendre un petit peu moins la guitare normalement, de base. Change pas grand chose. Fort, Robert. Merci, monsieur dame, merci beaucoup. Bon, bah alors... Oui, vous êtes un fire. Ah oui, je vois ça avec la torche, j'ai même un peu chaud. pour laisser messieurs dames parler et discuter en toute tranquillité, je vais baisser un petit peu le volume de ma voix et de ma guitare pour que vous puissiez tous bien... Parce que je vois bien que la moitié sont partis parce que ça avait besoin de parler. Donc du coup, je vais arrêter de chanter et puis faire juste un peu de fond sonore, quoi. Voilà. Prenez soin de vous et je me mets en... Bref. Et bah c'était super. Je vais vous laisser. Bonne soirée à vous deux. Comment ça, Nancy? Bonne soirée. Bonsoir. T'es les artistes, non? Très bien, parfait. Ouais, c'est bien. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Ça va aller, madame. Bonne soirée. Madame Daisy, si vous voulez faire une petite pause et aller vous reposer. Vous pouvez y aller, vous inquiétez pas, j'ai déjà la suite. D'accord, du coup, je peux changer de costume? Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, oui, allez voir Madame Meredith. Ah, pourquoi? Bah, parce que pour les costumes, on doit. Maman, on a un prix à gagner pour les meilleurs costumes. Là, ah bon tard, on va dire. Oui. Mais comme t'as quoi? Ouais, je comprends, c'est pour ça que tu devrais te lancer. Bah, elle est où, Madame Meredith? Je sais pas du tout, je l'avoue pas. C'est une dame qui ressemble à un vampire, mais je sais pas où elle est. Non, le banditisme, c'est trop dangereux. Je vais gueuler partout pour savoir où elle est. Ouais, t'as raison, vas-y, désolé. Je donne juste un petit truc parce que c'était bien. Ah, bah, c'est gentil, madame, merci beaucoup. Après, je m'étais pas inscrite, moi. Ah, Miss Dalton. Mais moi non plus. Ah bah d'accord. Mais s'inscrire. On est pris de space musculaire. Ah, je sais pas. On s'inscrit pour le concours. Mais le costume, non? Ah, je sais pas. Pour le costume. Pour le moi, je pose parce que je n'arrive pas, voilà. Ah, merci, madame, c'est gentil à vous, merci beaucoup. Mais ça brille, c'est pas grand-chose. Bah, c'est le cœur, c'est l'intention qui compte. C'est l'intention. Où vas-tu, gentil? C'est pas mal. Madame Meredith. Madame Meredith. C'est la dame qui s'occupait des costumes. Des Madame Meredith. Madame Meredith. Vous la cherchez aussi? Oui, pour avoir des infos. Ah d'accord. Pour les costumes. Bon au moins il m'a dit de me renseigner vers elle. Mais c'est qui Madame Meredith? Oh, c'est elle apparemment qui organise ça, mais je sais pas. Oh. Elle ressemble à un vampire. Ouais, c'était la petite Jade, moi, qui organisait. Oh, oh, bah. Madame Meredith! Madame Meredith!
crie mieux que moi. Oui. Madame Meredith. Puis au pire, prenez des chemins. Non. Vous avez vu Madame Meredith? C'est ce qu'on avait fait déjà sur le premier retour. Oui, je crois qu'ils nous entendent pas, on est des fantômes. Mais vu la chance qu'ils ont, ils vont tomber sur les jambes. Vous savez, moi, limite, après ma domination d'adjointe, j'étais ligotée sur un cheval, donc bon... Putain, maman, j'accepte mon dessin, quoi. À l'étable où il y a les chevaux. Oh, d'accord. Oh, bah, merci. Vous êtes dans le moins loin. J'ai accepté mon dessin, je crois. En plus, c'est sous la pluie. Parce qu'il pleut, parce que c'est moche. Oui. On va tout tremper. Oui. Moi, j'aime pas non plus. Meredith. Oh, non, Meredith. J'aime bien la petite, j'aime bien comment la petite parle comme ça. Avec sa petite petite voix, c'est trop mignon. Lolo, Lolo, ça bosse dur aussi. Oh là là, il y a du monde. Ouais, non mais parce que le dernier il s'est planté dans la barrière, mais ouais. Oh, une course d'âne. J'en ai encore jamais vu. Ah d'accord. Non, je l'ai déjà eu le coup d'avant, mais... Ah d'accord. Ah bah d'accord, ok. Ah non mais, t'en veux un autre? En fait, faut qu'on en prenne un chacun dès le départ. Oh d'accord, y'a pas de soucis. T'as pas entendu? Non. J'ai pas entendu. J'suis arrivé trop tard. Alors en fait, y a le concours, ça sera après au niveau des télégrammes, après le rodéo. Ah d'accord. Et on se rassemble tous au niveau des télégrammes. Ah. Ah bah je pense qu'on sera un petit peu moins parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens et ils ont peut-être parti. Bon voilà, y'en a qui voulaient pas participer peut-être. Oui peut-être. Vous voulez juste s'habiller. C'est vrai, c'est bien de se déguiser des fois. Oui, ça fait plaisir. Oui. Non, pas pour bon, costume, effectivement, si vous avez élu le meilleur costume, vous avez 10 cartes à collectionner et à gagner. J'ai pas participé, je viens d'arriver, oh non. C'est après. Ah, merveilleux. Oh, comment tu fais ça? Comment ok tu fais ça? Les trapis. Top départ. 3, ça va mieux, super. 1, top départ. Ça va, c'est survivable. Oh bah. Je suis trop mauvais, putain. Oh non, mais tu es pas les ânes. Bah oui, tu es pas les ânes. Oh, qui t'es et Marie, elle est tombée. Oh non, bah, les pompons. On va gagner. Allez, Brel, putain. Oh non, mais allez, c'est... Bras oh non, c'est terrible. Victoire par forfait. J'en reviens pas. Un point partout. En fait, pour gagner, pour rien faire. Non, mais attendez. Mais c'est terrible. Replacez-vous. Oh, ce que ça fait du bruit, les ânes. Ah oui. À mon top départ. 3, 2, 1, top. Oh là là. Non, ça compte pas, ils m'ont pas touché. Oh. Bah si, tu voulais pas mourir quand même. Guilherme, oui. Bah si, c'est bien sûr tout seul. Dans tous les cas, c'est eux qui ont gagné. Oh, vous avez gagné quand même. Non, mais c'est... Non, non, y'a pas de problème, effectivement, si vous tombez de l'âne, même si c'est pas de la chose, vous pouvez plus... Ça va, vous êtes pas fait trop mal? Oh là là. Le bison, il est mal au point. Vous allez bien, monsieur le bison? Le bison va très bien. Oh, bonne forme. Oh, il s'enfuit. Il s'enfuit, mais pas très vite. Allez, petit âne. J'y retourne. Allez, retourne dans l'arène. C'est bien. Oh. C'est drôlement doué avec les ânes. Ils ont gagné, mais à quel prix? C'est un peu hasard, là. On a gagné. Fallait pas le dire. Je crois qu'il se carapate de l'autre côté. Ah oui, c'est comme... Oh, il est malin. Qui, moi? Ah, mais je suis debout, moi. Ah non. Tout le monde me voit par terre? Ah bah je vais très bien. Oh, merci monsieur, c'est super. Oui. Il faut que j'aille faire une sieste et que je revienne. Allez, un rodéo sur Anne. Non, je comptais. Incroyable. Non, ça va. Non mais voilà, je RP un petit peu mais ça va pas durer très longtemps. Ah bah, écoutez, j'ai fait une parution il y a deux. C'est compliqué. Soir. Oui, ils ont fui. J'étais super fier et là je vais faire la deuxième parution ce dimanche. Oh bon, dis donc, petit âne, allez hop, zou zou zou. Pip 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 pip. Fais pas ta tête d'âne. Allez, bou bou bou. Allez, bibou.
À bientôt. Hop là. J'ai des petits filous. Oui. Le pire, c'est vraiment les âmes, quoi. C'est catastrophique. Mais dites-moi, monsieur le roi, c'est pas vous qui participez au projet de la ferme Emerald Roche avec les petits enfants, en tant que médecin? Les petits enfants? Et d'autres habits, ça va? Non, c'est vous, je crois que c'était un médecin, mais je sais plus lequel, il me semblait que c'était vous. Je sais pas pourquoi je vous regarde, je vais regarder un truc, je sais plus ce que c'était. Oui, je vais regarder mes télégrammes, mais c'est pas comme si je pouvais le faire là. Bah en fait, c'est la ferme de la seconde chance des Emerald Roche. Ils aimeraient apprendre aux petits enfants à chasser, faire la cuisine, s'occuper de la ferme, etc. Et il y a un médecin, je sais plus qui du coup, qui s'occupera bah, des suivis médicaux des petits enfants du coup. Je peux rien dire. Oui. Ce serait super. Ouais. Bah, en fait, c'est madame Aurélia Savarin. Et Bella Morgan, donc les deux qui s'occupent de Mera Ranch, qui ont organisé ça. Et puis c'est notamment... Oh mais c'est... Oui. Non, mais, oh mais fermez-la vous deux. Et c'est vraiment... bah, si vous voulez participer au rodéo Texan, montez sur un âne. Oh j'ai vu trop de monde. Je préfère les gens se faire, voir les gens se faire cracher. Attendez, je vais regarder. Mais attendez, parce que si je vous dis que c'est un médecin qui aime beaucoup la psychologie, qui s'est fait discuter... Alors... Attends, j'arrive. Bonjour. La psychologie n'existe pas. Oui, bah voilà, mais c'est ça que je disais. Bah. Oui, bah c'est lui du coup. Allez, let's go, vous crachez. Vous avez peut-être d'autres participants là-bas. Dépêche-toi. Oui. Dépêche-toi, je t'attache. Bah, je suis pas sur le chemin, je vois 4 personnes qui arrivent, donc peut-être... Attention. Oula, moi je veux pas de... Hein. Attention, en fait, attention. C'est le sujet parce que je savais pas du tout et elle m'a expliqué un petit peu... Les bisons, j'ai dans l'enclos. Comment ça se passait, quoi. Oh, oui. Ça fait peur. Attention. Attention. C'est vrai, ça vous a plu? Ah bah énormément, oui. Bah c'était plutôt... voilà, à titre informatif. Oh les ânes, par contre. Plutôt oh là là. Assez simple, j'ai envie de dire, mais c'était nécessaire. Bah, les bisons, ils sont rudes. Allez, tout à fait. Ils sont fous. On vient de le faire juste avant. Il faut aller sur les ailes. On s'en fout pas. Non, on s'en fout pas. Oui, je veux bien. Oui, j'ai une notée. Non. De ma main. On reste dans l'enclos. Dites-moi quand c'est bon. Allez-y. Waouh. DF. Allez hop. Elle a contrôlé la bison elle toute seule. Allez hop. Okay. C'est la race astrale des natifs. Eh ben, alors, on va pas trop parler boulot ce soir, mais je vous contacterai prochainement. Soyez pas timide. Bon, allez hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant qu'on est monsieur sur Johnson. Un âne. Ouais. La guerre, messieurs, la guerre. Comment t'es sur un âne? Partons l'asso. Kiki. Non, c'est la Gazette des Terres Sauvages qui a amené les bisons réfractaires avec eux. Miss Cunningham, c'est la Gazette des Terres Sauvages. Du projet. Que je savais pas du tout que les médecins se faisaient faire ça. Foutre rien. Ah, désolé, je suis très spectatrice, oh, mais non, je suis pas moi, super. Je préfère regarder les choses faire cracher. Oui, c'est vrai que c'est il plus rigolo, moi personne. Aussi. Allez, allez. Là, c'est mon équipe. Là. Je m'y garde un petit peu. Voilà. Miss Harkness et Kiran, c'est sûr que je vais avec eux. Ok. Tim, je te laisse aller avec les bisons. Ah, de l'ouest. Okay. Soyez futés, chers je bisons. Rappelle les règles. L'assaut uniquement. Vous avez chacun une équipe à mon top départ. Le but est simple, faire tomber les joueurs adverses. Si vous tombez, même si ce n'est pas à cause d'un lasso, faites attention aux barrières, vous êtes éliminé. Oui, bientôt il n'y aura plus les barrières. À l'assaut. Vous avez le droit de dire à l'assaut, même si c'est très nul. Un assaut. Du moment où vous êtes tombé de votre âne, vous ne pouvez plus remonter sur l'âne. Vous êtes éliminé, point. Ok. Ok.
La dernière équipe qui a au moins un joueur sur un âne a gagné. Ouais, allez les ânes. 2, 1, déplace. Oh l'assaut. Oh l'assaut. Je sais que monsieur Light devait. Oh, quelle technique. Oh, quelle technique. Il y en a beaucoup par terre. Oui. Yo Gideon. Wow, incroyable, il a sauté complètement l'âne. Oh. Ah non, mais attends, c'est... Ça va. Qui a gagné? Je crois qu'elle demandait si ça va, Alan, surtout. T'es par terre, Gideon. On a gagné? Non. Si, on voit par terre. Bah, on voit par terre. Oh, pardon, excusez-moi. Allez, bonne sieste. De toute façon, c'est le dernier debout, je crois. Ah non, attends, c'est bon, Gideon. Vas-y, c'est bon. Ok, passez par dessus la barrière, ouais, exactement. Et non, viens. Pour la tête. Allez, replacez-vous chacun de vos côtés. Non, tu restes là. Petite âne. Compliqué. Mais je sais pas si vous avez vu un petit peu. 3, 2, 1, au lasso. C'est vraiment très drôle à regarder. Lâchez-moi. J'arrive pas à rebouler. La petite dame en violette escaladée. Ah c'est bon, on vient vous relever. C'est bon. Oula, vous avez de la boue plein la tête. On a gagné encore. Deuxième fois que l'équipe des bisons gagne. Parfait. J'ai un épouvantail, je dois faire peur. Tous sur des ânes. On dit un truc bizarre, un de mes chats vient de me suivre pendant une heure, alors que je promenais un chien qui est en pension à la maison. J'irai les traversées de route en centre-ville, vient de me créer des sueurs. Ah c'est marrant ça, il te suit d'habitude aussi ou pas? Parce que mon chat a fait ça longtemps. Elle me suivait quand j'allais à l'école. Et c'était très chiant, et elle s'est déjà perdue comme ça. À force de me suivre quand je sortais. 3, 2, 1, au lasso. Mais c'est marrant. Ah c'est, j'avoue que je comprends que tu sois pas... Oh, oh. Je comprends que tu sois pas rassuré. Ah. Oh là là. Ah bien joué, Miss Arctis. Oh mais c'est... Oh non. Reste là. Ah oui. Allez Williams. Monsieur, je viens de la mort. Oh. Et... Le bison de nouveau. L'équipe du bison. 3-0. 3-0. 3 manches sur 3. Félicitations. Bravo. Vous êtes trop fort. Je suis pas du même côté de la route, merci sinon c'est pas drôle. Oui, d'accord. Bravo. Bah oui, évidemment. Ils sont tous en train de s'enfuir. Aïe. Ça va aller, j'ai glissé. Lui il est blessé. Il est blessé. Faut pas le remettre dedans, il est blessé. Ah d'accord. Le pauvre petit chou. Pauvre petit chou. Oh désolé. Moi s'il s'en va maintenant. Oh bravo. Bon bah c'est pareil, laisse le beauté. Oui c'est vrai. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Allez hop. Je voulais aider, bon en fait je t'ai rien. Madame Cunningham, le cochon. Monsieur Bichard, faites attention à pas monter Maverick. Le bison réfractaire, Olga. Allez-vous, Miss. Pardon? Elle sera nana aussi? Ah non, je suis désolée, j'ai participé à un tournoi de boxe, là, je suis oui, complètement en service. Oui, c'est peut-être pas une bonne idée. J'espère. Seconde. Ah, pas mal. Incroyable. $100. Il y a des cigares et des cigarettes. J'ai refilé les cigarettes. Non, donnez. Roi dans le château. Ah non, mais c'est juste. N'importe quel moyen de se faire de l'argent, quoi. Oula! Oh punaise! Oh, je suis pas chargé.
Oh putain, j'ai mal je vais peut-être arrêter. Je souffre un petit peu. J'arrive pas à faire du social. Enfin, c'est un vrai déguisement. C'est rigolo, hein. Oui, on ressemble un peu à un berlingot. Vous savez, les bonbons et les rayures. Hein. Un berlingot. Eh, par contre, Olga, sachez que vraiment, votre déguisement est effrayant, là, vraiment, je... Ah. C'est quoi, c'est mon visage tuméfié qui vous fait peur? C'est votre visage? Ah, mais... Ah. Nous avons... Voilà. Alors, j'ai fini deuxième, un combat de... combat de boxe, hein. Allez, vas-y. Je sais. Ah, je sais que mon visage est... Le médecin m'a dit, voilà, vous n'êtes pas belle à voir. Bon, allez, encore un? Ils attendent encore des joueurs. Je sais que mon visage n'est pas beau à voir, le médecin me l'a dit. Oh, monsieur Johnson! Allez-y, monsieur Johnson! Représentez le théâtre! Oui! Ah, dans le Texas, il y avait les Rangers, bah vous serez les Power Rangers. Et à ma droite, l'équipe de la princesse. Je crois en vous! Oui, moi aussi je crois en vous! Tant pis, je ferai comme les autres. Oui, c'est ça. Faut pas tomber, faut pas tomber. Vous attendez que tous les autres tombent. Voilà, faut pas tomber, ça c'est important ça. Faut pas juste pas tomber. Bah, honnêtement, oui. D'accord. Voilà, vous esquivez les autres, vous attendez que vous soyez seul. Très bien. Oh mon dieu, je suis contre monsieur Elwood. Je ne vous rappelle pas les règles. C'est bon pour moi. À 3, 1, 2, 3, top départ. Yo. Il lève les mains. Aïe. Il garde l'équilibre en regardant les mains en l'air, comme c'est malin. Oh là là, oh. Il est incroyable. Oh, mais quel jeu, mais quel jeu. Oh là là. Oh là là, attention. Oh. On l'aurait plus. Bah, je reviens sur le terrain. J'ai un problème avec ton âne, moi, surtout. Pardon. Oh non. Oh non. C'est pas possible. Il a un petit problème. Docteur Meredith. Il est très doué. Il y a un problème avec un âne. Trouvez-le. Oh, monsieur Johnson. Là, il y a eu un petit accident de trop, je crois. Ça va, les petits âmes. Oh non! Trouvez-le, docteur Meredith. Je sais pas qui il est. Aïe! Mais il va pas bien! Robert! Oh. Calmez-vous, monsieur Johnson! Faut plus l'arrêter, arrêtez-le! Oh non! Vous avez gagné! Mais moi, vous avez tué le pauvre! Oh le pauvre! Petit bonhomme! Non, il est quand même pas mort. Il est assommé. Viens, il y a un âne qui s'enfuit. Reviens. Je souffle. Oui. Je souffle. Oui. Oui, respire. C'est pas son délire de jeter à terre les autres. C'est le principe, c'est un rodéo de ado d'âne. Ils doivent se jeter à terre et le dernier qui est debout sur un âne, il a gagné. C'est le principe en fait, c'est le jeu. Oh, on voit ça, vous êtes complètement fous. Oh mince. Qu'est-ce qu'on fait? Pardon. Oh, non. Petit. Ça va aller. Non, je brûle pas. Enfin, tu vas le crever un petit peu. Oula, si je fais ça, je vais prendre feu. C'est pour lui donner un peu de chaleur. Je le crève pas, je le réchauffe. Il est assommé. Non, il pue de la gueule. Oh, un beau sens sur son âne. Oh non, c'est dégoûtant. Vous connaissez la laine de cheval? Ben, la laine d'âne, c'est pire. Je vois rien, il fait noir. Bah là oui, mais avant il faisait jour. Il est juste assommé. Avant il faisait jour, mais d'accord. Bon, l'autre il pépère. Eh bien. D'accord. Quoi, on en a un autre ou pas? Parce qu'elle est vraiment canale. Faites un article sur lui. J'ai bien fait. Mais c'est déjà fait.
oui. Oh, j'ai fait une cramée les cheveux encore. Oh oui. De toute façon, bon, il commence à plus avoir beaucoup de barrières. Oui. Je sais même pas qui. Il a gagné, les doigts dans le nez. Qui est dans l'équipe qui a gagné? Vous parlez, pardon. Il est pas mort, il est KO. Ah non, j'essayais simplement, j'essayais de remettre l'âne à l'intérieur, mais je me suis dit, bon, de toute façon, les ânes, maintenant, ils peuvent passer ici, donc bon, je sais pas si ça sert à quelque chose de, de les remettre dans l'enclos. Attention. Ah bah oui, l'âne passe. L'âne passe, pas vous, mais l'âne, oui. Peut-être un petit peu plus à gauche. L'âne, il veut sortir. Oula, attention. Oh, vous savez faire ça, mais c'est impressionnant. Mais ce serait pas Francis? Francis, l'âne. Ah bah non, désolé, il s'appelle Monsieur Lurne, la merde. Ah oui, Francis Lalonde, d'ailleurs. Ah oui, calme-toi, Monsieur Lurne, calme-toi. Voilà. Calme-toi, Lurne, calme-toi. Non, mais c'est net, c'est la net. Ah oui, aussi. Ouais, c'est pas une femelle, regardez, il est un zinus. L'anus. Un zinus. Ah bah, c'est le mien, ça, c'est l'anus, oui. C'est allé à quelqu'un qui a dit que c'était l'anarchiste. Il se passe trop de choses. Archiste. Je sais pas qui c'est. L'anarchiste. Oui, je connais pas quelqu'un qui s'appelle Schirst. On dirait qu'il a l'air plutôt heureux cette âne. Oh, elle est sympa votre tenue. Eri. Merci beaucoup. L'âne, oui. On m'appelle Archibald von Mage. Mais c'est pas le. Oh, enchanté, monsieur Archibald von Mage. Ah, monsieur Konda. Il y a monsieur Konda. Et Konda, il a. Elle est sympa. Ça fait très chasseur. C'est plutôt explorateur. Faut faire des concours et tout ça. Mais on va voir. Je sais pas. C'est mon costume pour ce soir. C'est sympa. Il devient agressif quand c'est de la compétition. Je te plais comme ça, le roi. Et c'est Konda, il a un âne. Et c'est l'anaconda. Est-ce que du coup on peut dire que c'est un étaleron? Vous êtes passé chez le coiffeur? Non, j'ai juste enlevé mon chapeau parce que. Mon Maverick est un vrai étalon. J'adore le monter. Ah, il était juste assommé. Pardon. Je t'ai préparé une tenue. Oh, j'en peux plus. Tu vas pouvoir te reposer. Dans 10 minutes. Bah, on va voir alors. Élection du gagnant dans 10 minutes au Telegram. Bon après-midi, peut-être à tout à l'heure, parce que je vais passer sur un jeu plus chill après. Des costumes en noir, c'est trop rigolo. Ah mais c'est sûr hein. Ouais c'est pas trop. Je vais se promener comme ça. Hop là. Waouh. Allez Hup, c'est lui. C'est très impressionnant. Merci. Allez Hup, c'est lui. Hup. Tu veux chauffer banane sur les. Allons-y. Oh, vous êtes à fond. Ah ouais. Billy Lan, il marche à l'envers. Billy Lan. Il est super. Donc il y a Yuoki. Donc il y a Yuoki. Ah oui, je vais jouer. Yuoki, Donkey. Sans les mains. Ah, je commence à avoir une crampe. C'est trop petit. Oula. Ah, ça descend un peu là, non? Il a l'air de s'éclater là, en tout cas. Il a l'air heureux là. Allez, il prend son pied là. Il prend son pied pour une trompette. Il prend son sabot. Par contre, je vais dans le bon. Je suis pas sûr d'aller dans le bon endroit
Oui, non, mais. Ça rappelle quelqu'un qui touche un peu ses coucougnettes. Je suis un professionnel. D'autre côté. Je suis un professionnel. Donkey, are you wonky? Incroyable. Mais t'arrêtes, merde. Voilà. Oh, bah dis donc, y'a du monde. Ah, bah là, ça rigole pas, hein. Oh, il est trop fort. Oh, t'es trop mignon. Regarde comment. Ah bah y'en a du monde. Bon bah Lia, c'est pas, fois, je moins sympa lui. Avec la Warren. Oh, qui c'est qui a été élu meilleur costume alors? Mais non, mais il est bien là. Miss Winon, vous êtes très effrayante. Mince, on nous parle. Que toutes les personnes qui veulent participer à l'élection du meilleur costume viennent se placer sur l'estrade. C'est en qui face va de sur l'estrade, je l'ai oh, d'accord. Ah bah je suis en épouvantail. Avec son rire de sorcière. Avant, il faudrait peut-être qu'on prenne une photo de groupe pour le journal. Oui. Dame des Yvelines. Vous êtes trop grand, monsieur Bison. Ouais, Dame des Yvelines, sur la photo, ils vont sur l'estrade. Ouais, vas-y, je vais mettre. Je me mets sur l'ossement. Hop. Non, mais Marie, elle participe pas. Alors quoi? Attendez, je vais prendre la photo. C'était super réussi, on dirait des voitures qui forment. Mettez votre machette comme ça. Et on peut pas s'écarter. Ouais, parfait. J'ai mal entendu, James. Un petit éclairage par en dessous. Ah, je vous avais pas reconnu. Oui, parfait. Sans éclairage. Ouais, je trouvais que vous en ressemblez bien. Il faut lever les mains ou on garde les mains baissées? Allez-y, prenez la pause. Vous savez qu'on t'y ah oui. C'est rare, je vais te la mettre. Ah, bah comme ça, la pause. Incroyable, c'est bon. Ouais, je vais taquiner, c'est droit. Youpi. C'est parfait. Ouais. Allez, monsieur parfait. Le juge, monsieur Newcombe a déjà mis son costume. Monsieur Newcombe est clapré. Oh, ce non, rire peur, il est parfait. Ça vous va bien? Ah bah ouais, putain. Et maintenant, monsieur le juge, je vous laisse juger qui aura le meilleur costume. Eh, hey, monsieur le juge, faut bien choisir, hein. Ah mince, vous êtes resté. C'est ma tenue de dimanche. Oh, j'ai de la touche qui de près. Non, non, mais il faut que. Tu as pas dessus, maman? T'as pas envie? Ah ouais? Mais où, Sylvain? Attends, Guidon, mets-toi à côté de moi pour la logique. Non, il a mis comme microbe. Tiens. Vous êtes imposant, monsieur le bison. Oui. Ah, je prends ça comme un compliment. Attention, je vous brûle les poils. Non. Oh, oula. Moi, j'ai pas fait exprès, vous étiez trop près. Je vais pas vous brûler les poils. Ça sent le cochon grillé. Bah non. C'est un cochon qui est grillé, c'est un bison. Oula, arrête de jouer avec ta torche, petite, ça serait peut-être plus simple. C'est parce qu'on voit que dalle, sinon. Mais c'est pas faux. À défaut d'avoir un bison futé, on a un bison cramé, c'est bien. Oui. Oui. Marie, elle est cachée derrière. Mais il est où, Sven? Oh bah ça y est, maintenant c'est le cochon grillé. Au-dessus de toi. Ah oui. Ah ouais, bah lui il participe, mais au-dessus. Eh, hey, tu crois vraiment que tu vas avoir la première place, toi? Je l'ai pas vu. T'es un grand malade, ça, putain. Tout ça pour les cartes, hein. Même pas de style. Oui, t'as 10 cartes à collectionner si. Si tu participes. Et. Je commence à avoir mal au bras. Tu peux les revendre très cher. Je sens que le couteau commence à me faire mal la machette là. Décidez-vous. Oui, je crois que vous l'avez. Ah oui, vous l'avez dans la tronche. Ouais, je comprends pas ce qui se passe en fait. Mais ils sont en train de choisir qui va être élu. D'accord. Je suis allé énervé là-bas. Et je comprends même pas pourquoi ça réfléchit. Je pensais que c'était pour moi tout de suite. Mesdames et messieurs costumés, je vais annoncer les déjà 3 finalistes. Les autres pourront descendre de l'estrade.
Nous avons donc en finaliste la demoiselle épouvantail. Oui, c'est moi. Bravo. Ensuite, la demoiselle à la machette. C'est moi. Et effectivement. Bravo. Et monsieur Johnson en baron samedi. Donc vous pouvez rester tous les trois sur l'estrade. Oh, c'est chouette. C'est vrai qu'il est beau, je trouve, le costume de baron samedi, j'avais pas vu. Donc, pour pouvoir vous départager, nous allons vous demander une petite improvisation. Oui, c'est vrai qu'il est classe son costume. Jouez-nous votre rôle. Ouais. T'aurais quelque chose à voir, s'il te plaît. Je suis un peu bourré là, ça va pas trop faire. Bah justement, c'est bien, c'est bien. Pour les portails, il y avait juste pas quelqu'un aurait du whisky. Ah non, j'ai pas de whisky. Whisky. Merci. Improvisation, je fais les portails. Tu sauves un médecin. Et voilà. Ah franchement, très belle imitation. Hein. À n'importe quel corbeau. Moi j'y crois. Chasse un peu les corbeaux, hein. Ouais. Bravo. Vous avez entendu? Ils s'enfuient. Ils ont eu peur de ma suprématie des pailles. C'est chacun son tour ou il faut... Oui, ça vous après, Miss Nancy. Ok. Elle est déguisée en tueur sanguinaire, que tu l'épouvantail, on voit si elle fait ça bien. Alors. Non, s'il vous plaît. Est-ce que je peux prendre quelqu'un en otage? Allez, Jean. Moi. Allez, en route. Non, c'est moi d'abord. Moi qui organise. En route. Non, mais non, je vais pas se prendre en otage, mais non, c'est bon. Ça aurait changé un peu de vie. Je suis pas sûr du truc. Bah, éviter de m'égorger, quoi. Ça serait sympa. Du coup, je range juste la machette de ce compte. Bah ben non. Non. Pas comme ça. C'est pas ça. C'est la panique. C'est la panique à bord. Faut être bien derrière moi. Vous savez, je suis sur la paille. Elle est pas très crédible, tu vois, quoi. Avec tes lunettes, il voit rien. Allez. Oh. Ah. Un pas de plus et je les gorge. Ah, ouais. Et c'est là qu'on annonce que c'est un putain de braquage. Allez, tout le monde là. C'est impressionnant. C'est sûr, vous jouez rôle ou c'est vous? Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle aime les entrailles. Oh! Oh là là, c'est beaucoup trop réaliste. Ça faisait partie du spectacle. J'ai bien fait de pas me proposer, tiens. C'était très convaincant. Oh merde, c'était pas prévu. Elle est trop dans le rôle. Bon, on va continuer la scène jusqu'au bout. Des effets spéciaux. Candidat éliminé pour cause de prison. C'est de la merde, c'était pas prévu. Non, mais c'est la suite de la scène. Regardez, je vais la mettre en prison, voilà. Ah, hop, on arrête les tueurs ici. Voilà. Mais non, mais c'était pas le but. Voilà. Allez, dis fin de représentation, vas-y. Bravo les shérifs! Mais moi je l'aime bien Meredith! Oui, ça se voit. Mais non, mais non, mais reviens là. Ah, ok. Non, mais je me suis vraiment dit, oh putain, c'est vraiment pas ma soirée. Bon, baron vendredi, j'entends. Oh, non, samedi. Je pense qu'elle s'est dit la même chose aussi. Meredith! Vous faites avec les lunettes, les jeux. Oh là là. Totalement. C'est les modes qui allaient jusqu'au bout en fait, ou l'action. Oui. Jusqu'au bout. Cette distance? C'est le problème. Ouais. Pas facile d'interrompre une action quand elle a commencé. Samedi. C'était trop bien. Bravo. Oh, merci, mais c'était... Le mec, c'était trop bien. Ah, bravo. C'est que c'est déguisé en bison aussi. Je me sens pas passer incognito trop dans quand les même, hein. Je suis désolée. C'est pas grave. Je paierai les soins. Dès que j'entends quelque cabinet, chose, je me rapproche. Hop là, je suis un vrai bison. Et là, je peux écouter les conversations. Je vais mettre. Mais du coup, je suis éliminé ou pas? Oui, il n'y a même pas de bague en fait. Voir avec les juges. Hein. C'était dans le rôle. Ah, c'était bien fait, hein. On y a bien cru. Ça, ou tu... Et vous avez pas fait encore, monsieur Johnson? On vous entend pas. Je sais pas, j'imagine. Monsieur Johnson, on vous entend pas, parlez plus fort. Excusez-moi, je vais à la tête de le personnage. Vous entendez Johnson?
Je suis le baron Sandy. Johnson, parle plus fort, on vous entend pas. Oui, bah, je fais ce que je peux là. Hein. Parfait. Tu me laisses tranquille, toi, je vais te jeter un sort. Attention, oh non, hein. Je suis le baron Sandy du dimanche. Je vais interpréter devant vous une danse machiavélique. Je vais vous chanter une chanson. Attendez. Pas prévu. Ah, pour le spell on you. Because you're mine. Ah, pour le spell on you. Because you're mine. Oh, j'ai pas la ref là par contre. Because you're mine. La dido. J'ai été jeté un sort. Je vais faire version nouvel américain. J'étais un sort. Quand tu es à moi, je ne mens pas. Tu ferais mieux d'arrêter ce que tu fais. Je ne mens pas. Non, je ne mens pas. Je ne peux plus supporter. Tu cours à droite, tu cours à gauche. Ah, j'étais un sort. Parce que tu es à moi. Because you're mine. Et voilà la dora de doula, dis donc. Voilà. Oh, j'ai pas la ref, alors je trouve ça très gênant. Mais je pense que c'est parce que j'ai pas la ref en fait. Les autres avaient l'air d'en avoir une, ils disaient oh là là l'enfoiré machin en mode. Ouais. Voilà. Mais bon, on va peut-être attendre la grande patronne. Ah, parce qu'on est. Mais j'ai voilà. On va dire que sans la ref, c'est très gênant. Mais c'est logique. Parce que t'as jeté un sort. Oh mince. Elle a ripé. Ah merde. Moi aussi. Attendez, tout va bien. Non, vous avez rien vu. Ouais. J'aime bien, ça joue, elle joue trop bien. Je vais me cocher. Même quand elle fait pas exprès, elle arrive à faire n'importe quoi. Oh quoi? Oh ouais, d'accord. Oh mince. Quand tu me déguises en Alfred, j'aurais pu faire. Alfred, c'est moi. La pression. And the pressure. J'espère juste qu'ils vont pas nous empailler. J'ai pour participer. Paille, empailler, tu m'as suivi. Arrêtez. On prend un peu d'eau. Ils vont peut-être nous dévorer avec une paille. Ah, c'est vrai. Trop joli le truc doré sur le cheval. Putain, il est trop bien pimpé le cheval, quoi. Je vais remplir ma gourde. Et boire en même temps, et puis je vais y aller. On va se rentrer. Mais au moins, j'aurais un petit peu vu la soirée déguisée. Si j'avais été en forme et que j'y avais été avec quelqu'un, ça aurait été stylé, mais voilà. Nettoyer le bois. Non, je ne nettoie pas le bois. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Et maintenant, je vais remplir ma gourde. Si le jeu veut bien. Il faut que je m'accroupisse. Tu m'accroupisses ? Aïe, m'accroupite. Pas nettoyer le visage. Non, pas besoin. La gourde en... Elle est là. Voilà. J'ai bien rempli ma gourde. C'est vrai que c'est plus rapide. Hein. Bravo! Bah j'ai raté le gagnant. Il y a des faisceaux lumineux qui vont vers le haut. C'est honteux. C'est le... Ah mais c'est parce que c'est un... d'artifice en plein jour, du coup ça fait tout bizarre. Mais même si on est vendredi, les gens disent que je suis le baron samedi du dimanche, mais c'est pas vrai. C'est du chicotage. Je vous le dis déjà, c'est du chicotage. Je pense qu'il y a eu méprise. Parce que j'ai pensé vraiment que mes concurrents, comme Madame l'Épouvantail,
ici présente et la dame qui aimait les quiches d'effalage de la tête de la dame qui a organisé l'événement. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Et que je vous jette un sort. Je vous jette. Oh. Oh. D'avoir insulté mes ancêtres, mais ça va. Ah, je suis pas fier, hein. Je suis pas fier du tout. Tu vas être Mori. Oh non, pas encore. Mori. Bonne soirée, Olga. Bonne soirée. Mori. Je vous retourne. Allez, bonne soirée. Et on se tient au courant pour arriver à croiser Miss Spencer dans le week-end. La tête qui tourne un peu, je t'avoue. Oui. Ouais. Ok. Si t'es parti boire, c'est toi qui as gagné, petite. Ah non, c'est pas moi. C'est Monsieur Johnson. Et il t'est bien déguisé. Oh non, j'ai tout protégé. Mais j'avoue que je préférais toi. Ah oui, là, oh, c'est gentil. Oui, pareil. Coup, pareil, moi je préférais t'aimer des petits ventes. Monsieur Johnson, je vous laisse me suivre. Et Monsieur Johnson, j'aime bien ses chansons. Je vais vous remettre votre tenue. J'aime bien sa tenue. Oui, c'est vrai. Mais moi, cette tenue. Madame la tueuse. Cette tenue, je la mettrai tous les jours. Monsieur le juge, merci beaucoup. Mais de rien. Franchement, c'était une belle soirée. Mais c'était très réussi, quoi. Bon allez, bah j'y vais, au revoir petit épouvantail, c'était chouette, et bravo. Merci beaucoup. Ciao. Bonne soirée. Je peine un petit peu à... Oh oui, merci beaucoup. À jouer mon rôle. Enfin, pas à jouer mon rôle, mais à... Oh, bah tant mieux. À sociabiliser. Par contre, ça me gratte, je vais me changer. Moi, je reste en Red Hook, je me changerai demain. Enfin, demain. Je vais refaire du RP dimanche. Bon alors, petite âne. Je vais le ramener à l'écurie. Doucement. Ah ouais. Je vais l'emmener aux abords de la ville parce que là, on est énervé. Ah, c'est que ça va vite ces petits trucs là. Incroyable. Franchement, il trace, hein. Incroyable, incroyable! Ah, très sympa. Je vais m'éloigner par là-bas, parce que là-bas c'est trop loin, il y a du monde. Ah cool, elle vient pas n'importe où. Hop là. Allez, calme-toi. Allez, c'est bon, c'est parti. J'avais l'impression d'aller plus vite avec l'âne. Franchement, hein. Sûrement qu'une impression parce que l'âne il fait des pas plus rapides mais plus courts. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière. Et du coup, j'ai l'impression de me traîner avec mon petit cheval. Il y avait Woody.
ça c'est une antilope ou un chevreuil complètement buggé. Du coup, si on tire dessus, bah, on perd notre flèche et on n'a pas de viande, rien. Donc cela, ça sert à rien. Vous pouvez attaquer au couteau pour faire des pops comme ça, on se fait pas avoir. Écoutez, j'ai tenu 2 heures, c'est déjà pas mal. Là, je vais passer sur du chillage un max, et puis c'est tout. J'ai Lux. Je peux plus le faire, il est trop fort, je trouve. Faudrait que je trouve un moindre réglé son, mais le seul moyen c'est de modifier dans un truc de modificateur de son, le réenregistrer, le remettre sur ma Go XLR, mais vu que mes samples ils marchent plus bien. Oh, ça me saoule ça aussi. Je vais voir avec mon copain demain s'il peut jeter un œil à ça. Il pourra peut-être m'aider. Il m'avait déjà aidé à régler des problèmes avec le sample. Il pourra peut-être là. Vous avez joué cette voix, non? Super copain, trop utile. Ouais, mais en ce moment, il a la flemme de s'y mettre. Et on veut aussi trouver un moyen de séparer et me faire une piste 6. Oh, pardon. Pas de soucis, petit épouvantail. Bonne soirée. Bonne soirée. Hop là, j'arrête à VOD. Bisous VOD.